Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à un débat initié par Audace Institut sur le campus, précisément au campus. Et vraiment, cela m'a boosté, cela m'a donné l'envie de prendre les choses en main et de créer mon propre petit club de débatteurs ou de débats pour que nous puissions aussi partager, apporter nos idées, défendre et surtout construire notre pays, apporter nos idées pour que nos gouvernants comprennent aujourd'hui que nous devons prendre aussi les choses de par nous-mêmes, essayer de les aider pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que l'Afrique tout entière avance. Et pour cela, il faut être libre, il faut être audacieux. Je suis Maria Matara, étudiante pour la liberté en Afrique francophone. Ça a été vraiment une bouffée de joie pour moi de voir ce débat très passionnant qui a été mené par des étudiants de cette université, Félix Houphouët-Boigny. Mais c'était un peu déplorable de constater une participation, disons, restreinte des femmes. Pour moi, les femmes ont leur mot à dire et ont un grand rôle à jouer dans cette marche vers le leadership des jeunes. Des jeunes étudiants surtout. Donc je pense que les jeunes filles, les femmes doivent de plus en plus s'impliquer dans l'expression des idées et affirmer ainsi leur partition dans le développement. Bonjour, je suis Michel-Éric Abdéji. Ce matin, nos amis des étudiants pour la liberté en Afrique francophone nous ont gratifié d'un grand débat. Et ce débat a achevé de nous montrer que les idées dominent le monde et que les débats d'idées dans la jeunesse peuvent permettre de contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons pris la résolution, après avoir participé à ce débat-là, de revitaliser notre groupe de débat au sein du CERAB, de sorte que nous venions plus tard compétir avec ces étudiants-là, de sorte à les ravir la vedette.